Le prince Harry et Meghan Markle ont reçu un avertissement sévère d'un expert royal, car il est révélé que le couple a 13 entreprises différentes. Daniela Elsey note que les Sussex ont tellement de projets différents en cours qu'ils n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Leurs entreprises comprennent l'adorable nommé PK Publishing, qui signifie tâche de rousseur en espagnol, et Hampshire LLC, du nom du comté où ils auraient profité d'une baby moon en 2019. Madame Elsey, commentant les aventures du couple dans le New Zealand Herald, a déclaré: Harry et Meghan sont peut-être maintenant les fiers propriétaires d'une maison avec 16 toilettes, un poulailler plein des poulets les plus célèbres du monde et des entreprises à gogo, mais une chose qui pourrait être très rare? Du temps libre. Point pourquoi la reine porte des tenues aux couleurs vives. Point lorsque la reine est en engagement public, on peut généralement la voir porter des couleurs vives, comme le jaune ou le rose. Dans sa biographie de la reine, le commentateur royal Robert Hardeman a affirmé que la reine avait une fois plaisanté sur le fait de ne pas pouvoir porter de beige. Point il a dit, ma remarque préférée qu'elle a jamais dite était, je ne peux jamais porter de beige parce que personne ne saura qui je suis. Point dans le documentaire Our Queen at 90, Sophie Wessex a soutenu cette affirmation en déclarant, n'oubliez pas que quand elle se présente quelque part, la foule est à 2, 3, 4, 10, 15 de profondeur, et quelqu'un veut pouvoir dire qu'ils ont vu un morceau du chapeau de la reine en passant.